la police nationale d'Haïti, l'armée d'Haïti, 400 policiers Kenya, déjà a mobilisé pour y mener opération dans Badelma, dans base barbecue. Selon toute dernière information que nous gagnons, bagala pas facile. Et m'te dit clairement, tout haïtien jodi, ka vive dans Port-au-Prince surtout, gon grand bagay ki yo besoin. Yo besoin yon Port-au-Prince ki yo ka fonctionne, pou yo marcher, pou yo bouger, jan yo te kon bouger longtemps. Mais jodi, messieurs oligak yo, décide pour que yo même, c'est barbecue Jim Cherizier qui pour mourir pour payer en la paix. C'est ça que monsieur Oligak yo dit. Et n'a pas plein. Monsieur Ote dit dans une voice tout. Côté yo te dit clairement, yo barbecue Jim Cherizier environ yon mois pour mourir. Mais ça gagne plus que 3 mois barbecue là. Mais définitivement, il y a des troupes qui ont mobilisé. Monsieur Oligak corrompu a fait pression pour que la police nationale d'Haïti force armée d'Haïti et comment les policiers Kenya ou fait vin là pour que yo prend direction Delma 6 parce que objectif là c'est éliminer Jimmy Cherizier alias barbecue. Ça que fait ça parce que barbecue crase Toyota. Li crase tout business oligak corrompu te gamba la ville là. Qui business qui était business qui te qu'on a vendre zam. Qui te qu'on a vendre balle en bas la ville là. OK dans Badelma. Dis les machines où te wè yo. Yo kon vann zam la dan yo, yo kon vann bal la dan yo. Mais barbecue Jim Cherizier, même business sa yo te kon paye barbecue pour barbecue te suive yo, pour manifester sou pat kakraze yo. Et barbecue dit que, wachman m'a passé pren tout oligak corrompu, nek sa yo te pren bo a tout. Mais jodi, barbecue kasoum, kotou ble te stike lou. Parce que je nek yo te dit lan, c'est ou même yo besoin directement. Opération a préparé, c'est ou même yo pral fond tête barbecue. Par contre, comment le pral fait? Par contre, qui joue le préfet? Mais sauf que, plus que sûr, ça va prendre 2 semaines barbecue pour passer au en bas. Ça veut dire qui ça? Yo pas, oligak lan pa vle yo dialogue avec ou. Oligak lan kap vann zam, kap vann balan pa vle pou non apé de cité. Li estime ko gen trop capacité. Ou ka les yeux tout nèg armé. Ou fe nèg yo envie parler. Mais nèg yo dit c'est ou pour yo touye. Et Pierre Espérance déjà fait pression. Sous gouvernement Garikoni, qu'elle dit que Ori Garikoni pas envie tout gang yo, est tellement comme si Pierre Espérance était commencé là pour commencer préparer pour l'attaquer Garikoni. Parce que il besoin pour que Garikoni voye tout le barbecue. Parce que tout simplement barbecue est trop pour le dire. Tout nèg yo pè barbecue. Parce que estime que monsieur a trop capacité. Si monsieur capable faire toute gang qui t'a bataille dans zone métropolitaine nan, entre yo capable parler ensemble bien que yo parle entre yo, yo entend yo, mais yo continue à kidnapper peuple. Si barbecue capable faire tout gang ça, yo parle pas pas petit coup de balle entre yo encore, ça veut dire que à n'importe quel moment, yo estime que barbecue ka font bagarre dans pays hein. Mais ça nèg yo dit. Mais si yo dit comme ça que si yo pas éliminer barbecue, même Jean barbecue avec équipe nèg avec Zamio, mettez Ariel dehors dans pays hein. Et bien yo estime que à n'importe quel moment barbecue capable mettre tout gouvernement ça dehors. Mais qui ça nèg yo mettez devant pour faire Garikoni accepter pour que il ait mené opération dans base barbecue. Jusqu'à maintenant, qui sa premier ministre dit, m'pas contre si lui même en tant que chef CSPN, li bay fevalan déjà. Mais sauf que ça que me connaît, monsieur Oligakio, tia ce que faut que c'est barbecue Jim Cherizier pour que la police, l'armée d'Haïti et puis agent policier béni comment il est Kenya yo, c'est barbecue pour y aller touiller avant. Yo prend barbecue c'est assassiné à pas assassiné. Pas que l'autre bagaille. OK? Et ou après automatiquement vin attaquer barbecue, ou attendre toute opération campée dans le pays. Parce que Oligak là lui-même, il pas besoin pour gang éliminer vrai. Oligak pas veut pour gang éliminer parce que depuis gang éliminer dans le pays. Haïtien, a pris contrôle territoire, mon a pas bouger. Le ça yo même gros contrôle que pas gagner parce que pas oublier. Monsieur ça dit clairement, c'est dans l'instabilité et qui ont généré plus l'argent. C'est dans l'insécurité. C'est dans le chaos. Hein? OK? Yo c'est des assassins qui ont nagé dans l'eau troublée. Si vous avez dit président ça, et vous apprenez que le Haïti n'est pas que le trouvé là, ou pas tant de messieurs même, c'est laissé à brasser millions sans camper. Parce que l'État n'a pas de contrôle.
c'est yo qui l'état. Yo nan port, yo nan aéroport, yo nan douane, yo nan DGI, yo nan tout côté qui a prêté gros l'argent pour le pays. On peut estimer que fok barbecue éliminé pour capable continuer gain contrôle en bas. Ça veut dire l'état pas jamais capable organiser pour le retourner avec magasin de l'état encore. Parce que nous avons décidé c'est yo seulement qui doit gain pour vendre dans pays a pour tout haïtien c'est revendre pour yo. Sont des respectants. Sont des respectants. Et ça que ba tout pouvoir ça va pas parce qu'il faut idée non politicien pareil ou haïtien pareil ou d'ailleurs. Moun comprend comme leader politique là qui vient sénateur qui vient député là qui ministre ou c'est lui-même qui ben ça tout pouvoir ça qui fait sentir que yo supérieur par rapport avec tout le monde dans pays là yo ka touyer moun Jean-Yves Vlé là au pipito et au fout touyer président yo touyer président yo touyer Jean-Baptiste yo touyer maître Dorval yo touyer tout le monde bien dans pays ça et puis pour haïtien conséquent camper ou a regarder bon salope ça dans yeux petit yo dans Miami petit yo tout côté dans monde la prend plaisir et puis y a broté l'argent par million en Haïti petit yo pas jamais travailler un jour mais yo multimillionnaire. Machine qui piche à celle-là pour les États-Unis. États-Unis. Ça dit qui ça? Je dis, hein? Nous-mêmes, nous ne sommes pas riches. Nous ne sommes pas gagnés l'argent. Mais sauf que, ou pas qu'à dire, ou à bloquer tout haïtien. Ou pas qu'à prendre tout en otage. Comme si nous coincons nos coins. Nous n'avons pas pays, nous ne pas qu'à bouger. Comme si coco à tout le monde. Non. Faut que vous bagage qui vous faites. Et me dit, nous ne pas accepter. Haïtien doit lever campé pour dire qu'il y a nous qui nous pas prendre encore. Parce que l'île est trop loin. Nous pas de problème. D'ailleurs, haïtien, c'est une nation qui pille, pour moi-même quelque part, qui pille tolérant envers l'étranger. Haïtien tolère l'étranger en pile. Achetez, je ne sais pas si c'est tolérant, achetez figu même. Haïtien, ouais, je dis là, je vois nous très critique envers comment les groupes M. Kenya ça. C'est parce que au black, oui. Qui est sur l'équipe gros blanc, gros portrait qui est entré là. Ou d'après haïtien comme si m'a dit langage moun t'a commencé virer c'est langue qui t'a commencé virer mais bien que façon ça me séparer la vraie mais c'est pas comme si apparemment ou pas gain apparence et qui pour ta comme si ou senti monsieur pas un petit Jean bagaille mais bien que en Afrique grand pile bel soldat par exemple aller et Burkina Faso ou jeune des capitaine Ibrahim Traoré ou jeune des soldats conséquents garçon bien campé ou ben nek ça ensemble ba équipe nek grand goût. Comme si bah misérable net. Moi, Haïti nous charge mise, nous charge mon grand goût. Qu'on a apporté grand goût, bah non. Attention. Regardez comme si nous avons Guinée qu'on a crié. Capitaine, comment le colonel Mabadi Doumbouya, avec toute équipe li. Ouais, monsieur, c'est une équipe garçon. Là, au camp, on côté, ouais, c'est des militaires. Mais là, je vais regarder ça, yo. Come on. Là-bas, je vais me caper droite même, non. Je vais dire, yo vin touye gang. Yo vin touye gang. Ça, yo, moué, ya. Moun moui katouye moun. Même ça, moué là. Même pas qu'on est moi-même, franchement, par contre, si on l'autre groupe, il y a voyé qui pour bien camper, qui kakop. J'aime moi gang ça dans pays d'Haïti là, kakou. Franchement, mettre là. Moi-même, puis, ouais, moi-même. M'pique quoi dans la police, brio. M'pique quoi dans la police, soit moi yo. M'pique quoi dans 1500 militaires que m'gay en bas. Au lieu, ça moi vin là yo. Mais le problème, non, t'as que moun, bah, y'a avec couleur. Là, nous, c'est nek tout. Mais ça m'a regardé là, yo l'a regardé yo. Façon yo yo yé. M'a ka dans soldat là même. M'a ka dans nèg qui capable comme si m'a dit démantle gang ça Haïti a. Rete. Nous c'est tellement gros confiance en tête mettre là, ça va être grave oui. Ou pas ils ont ces gros la bonne la meilleure, mais qui t'ôté ouais. T'es un hélicoptère de combat avec garçon bien campé, avion militaire qui te débarqué sous piste aéroport là. Ou d'après bandi ou d'après le façon, ou pas bandi ou fait quoi au plus? Parce que son avion commercial qui vient avec une équipe nègre, depuis mettre pied à terre, c'est danser à danser, c'est gouiller à gouiller, c'est plaisir à prendre, comme si ou est son équipe nègre qui vient dans le pays, il dit que ouais pays ça de pour venir là-dedans. Même si tout le monde pas manger là-dedans, on va manger. On va vivre à l'aise, on va vivre en paix. On va vivre tout son besoin. Il va offrir quelque bagage. Ça paye avion pour yo. Bah qu'on est avion commercial et pas avion militaire et puis armé non avion commercial. Tout ça, c'est des questions qui sont difficiles pour répondre. Par contre, qu'est-ce qu'il y a pour répondre pour nous? Mais ce qui est important pour que nous connaissions, chaque haïtien doit marquer ça en côté. En octobre 2022, Ariel Henry, avec l'équipe, li, te signé un document, il te fait demande une intervention militaire dans le pays. Pendant que c'est yo qui gangsterise le pays net jusqu'à ce que vous arrivez à trouver le président. Les fins trouver le président pour être capable de continuer à mes pouvoirs pour ne pas jamais parler d'élection, vous prenez le pays, vous pourrez net avec gang passé par là.
eh bien, pour yon capable de pouvoir, parce que yon senti peuple a commencé à gonfler pour être li, yon pote bourré au besoin Kenya, au besoin, yon besoin force, yon besoin force, yon besoin force. Parce que yon objectif yon, c'est de remettre pouvoir en 2026. Ariel Henry, pendant le pays Guyane, li prend avion, li rend ni, et comme il est Nairobi dans le pays Kenya, la si yon document. Li dit, messieurs, ça yon prend l'Haïti ya. Quel que soit Zak yon commet dans le pays d'Haïti, pas qu'une personne kap ka arrêté yon. C'est ça qui dit dans le document que Ariel signe. D'accord. Yo viole petit moun, même si yo pa bay détail. Yo dit quel que soit Zak qui yo commet là, pas une personne qui gen droit juger yo en Haïti. Ça veut dire ça. À n'importe quel moment monsieur oligarque capable utiliser nèg sa yo pour faire un fou coup d'état. Tout yon président et pas une personne capable toucher yo parce que yo bénéficie yon immunité qui enragé comme président pa gen dans pays d'Haïti. Même quand peuple là t'a foutu bois calé tout. Mon ça fait la tour ou ta peuple ta foutu bois calé pour nous. Bon gang sale, bon méchant, bon assassin, bon criminel. Eh bien, bagayou en pile, cause en pile en la République, préparation a fait, mais sauf que ça m'a dit, si que docteur Kony, pas organisé, pour agir selon lui-même, selon ça qu'il comprenne, avec l'équipe, li. S'il quitte ces messieurs oligarques, qui viennent dire, mais ça pour fait, docteur Kony pas capable de résoudre le problème de sécurité, nèg yo a faut passer l'aide là-dedans. Parce que même nèg qui a pris le bon conseil, mais qui j'en pour résoudre lien, même lui-même, non, la voye zam bay bandi yo en bas, la voye bal bay yo pour faire continuer tout les policiers, pour même ou ka l'aide. Parce que naturellement, nèg yo pas besoin de pièces moun qui vini dans tête l'État pour travailler pour tout bon. Sous travail, ou ap gen popularité, sous travail, moun a bat bravo pour vous, faut qu'on toujours vulnérable. Pour se yo même coup pour du consacre, yo pas le voye de l'eau sous du feu pour vous. Ok? Parce que nèg sa ou se comme ça, Haïti pas gen stabilité. Oligarque même pas vle pour Haïti gagner sa nourrile stabilité. Parce que yo pas besoin pays vraiment. C'est l'argent fait dans pays. Yo kembe Haïti là son boutique que lié cap on machine cap produit l'argent. Mais moun cap vivre dans l'espace là, li pa moun pou yo. C'est l'argent seulement y a fait dans l'espace là. Imaginez on a broté comme nos pays, route dans pays pas intéressé, l'école ti moun dans pays pas intéressé et pour comme si ou nos pays ou fait comme ou comme si ou même répéter c'est haïtien ou boti comme pas million l'hôpital santé moun pas intéressé ou pas haïtien yo de dégâts pour dans pays comme chef de gang même dit nous conseil me dit nous me dit alors ça que me dit nous qui est extrêmement important tout ça que monsieur a fait à l'aise yo à l'aise non c'est pas l'autre bagaille c'est pas l'autre bagaille c'est politicien haïtien. Ces politiciens haïtiens qui fait au gain tout pouvoir qui au gain le jour où je nous groupe femme avec garçon rive peut-être l'état pays d'Haïti yo pas dans coller derrière avec oligarque corrompu yo pas dans coller derrière avec businessman sauf que yo zoneg ou ka faire business dans pays a genre que tout le monde doit faire business. Afin que ce pour ceux qui ont monopole sous fait, c'est où seulement doit rentrer faire, pas gagner comme ça. Tout le monde qui a l'argent doit rentrer faire pour payer taxes normalement. Afin que ce soit même seulement qui doit pour rentrer avec l'aide dans le pays, rentrer avec du riz dans le pays, farine, l'huile, magie, épices dans le pays, ça l'est fini. Faut que tout le monde qui a l'argent capable d'organiser pour monter propre entreprise pour être capable de faire business. Avec son seul nèg qui est là aussi, qui est même qui dans le sous qui base? Je travaille pour que comme je fais business, je fais business dans le pays. Nèg sa yo, m'a dit nou gen bagay. Tout le monde qui est dans la diaspora a commencé à préparer l'argent. Mettre comme nous prêts. Parce que nous avons fait toute vie pour nous vendre blanc là. Nous travaillons dur. Nous vieillons avant l'âge nous. Pendant que nous sommes dans le pays, nous montons business dans le pays pour nous faire l'argent, pour nous suspendre le travail dur avec blanc. Nèg sa yo, mais une misère. C'est sous nous y a pris en bas. C'est sous deux y a priche en bas. Mais côté nèg a priche là nous même comme haïtien al riche là tout. Si pas vle riche là si c'est zam pour mettre sur yo tout, n'a chercher zam nous pour bataille avec yo. Parce que on pas tolérer ça. Voilà nouvelle qu'a fait la une actualité hein, c'est que c'est
administration Biden nan qui prend décision pour que yo capable accorder TPS avec tout haïtien et qui vini dans programme Biden nan. Et haïtien tout qui te gen visa visa touriste américain qui te rentré aux États-Unis, situation compliquée fait ou pas retourner en Haïti, et ben administration Biden a décidé tout pour tout profiter by moun sa au TPS. Ça veut dire à partir de mois qui vient là, ou pas la possibilité pour appliquer pour TPS. Si alors nous jeune allons penser que n'a besoin de trois amis, n'a pas invité une émission pour expliquer 1 2 3 4 qui process pour moun appliquer pour TPS là, tout pour n'a connaître et puis tout pour n'a va et participer dans programme là. Tout haïtien qui peut connaître qui statut tu vas gagner après 2 ans Biden là, va qui gagne la pied parce que grand pile haïtien monsieur et qui pas prêté États-Unis pour connaître immigration pour le prendre pour aller ensemble avec eux. On connaît haïtien qui pas prêté. Ça reprend pour Kimbo pour déporter ou non. On connaît haïtien pas quitter ça arriver. Parce que plutôt au lieu que vous déportez pour que pas que si par exemple vous avez fait vacances dans pays ça pour pas retourner plutôt ou même personnellement ou déporter tout. D'abord, on connaît côté venir dans cadre programme et ben programme dans c'était 2 ans. 2 ans on va renouveler pour et ben ou même si pays ou ta bon ou décider d'y retourner dans pays ou parce que c'était 2 ans yo t'ai accordé ou dans cadre programme là. Et c'est comme ça monsieur que en pile haïtien gen pile haïtien me connaît qui va t'apprêter pour qu'yo quitter yo humilier yo parce que gen pile haïtien qui sont Haïti papa c'est pas moun qui t'a vivre mal du tout non c'est moun jusqu'à maintenant c'est Haïti qui a stabilité y a descendu pour aller vivre dans pays yo très bien c'est des moun qui gen deux pieds dans deux comme si gen canson dans taille oui femme canson dans taille femme qui compte brasser il y a des moun qui des femmes haïtiennes qui gen États-Unis là. Que situation pays d'Haïti a mette au dehors. Que des femmes haïtiennes que me connais qui États-Unis là dans moment. Depuis Haïti gagne stabilité, gagne sécurité, pas gagne rien au monde cap jamais faire rester États-Unis. Pas rien cap faire rester. C'est monde qui t'a vivre bien dans pays yo et qui connaît qui gens pour travail, qui fait business pour te faire famille au bien. Me connais ça très bien. Me connais grand pile haïtien qui pas prêter, qui t'a blaguer pied yo. Et grand pile haïtien ça yo. Yo même yo konn vin États-Unis pour venir faire vacances, venir font petit temps. Vous comprenez? Venir font 8 jours. Mais venir rester États-Unis? Non. Moun sa pa gen ça dans plan du tout. Yo pa gen ça dans plan du tout. Et malheureusement, messieurs politiciens Haïti avec nèg ki nan secteur privé des affaires dans pays d'Haïti, yo bay zam tout partout pour kidnapper moun, yo bay zam tout partout, monter complot tout le président, rendre pays invivable pour que moun pa ka bouger en dedans pays ya. Et Docteur Gary Koni, entamé on série de alors on série de dialogue avec un pile monde et moi bon côté li depuis avant-hier mon paquet gros cravate bon côté PM nan. OK et mon paquet gros babine qui bon côté PM nan. Ça a discuté dans son forum qui a rapport avec développement pays d'Haïti. En de bagay lan, l'ovoezio ou e oligak fe mikala ou. Oligak ki la ki te voye Aristide Ale yo. Je commencerai par saluer l'engagement citoyen de l'ensemble de la société civile de mon pays et particulièrement la ténacité de VDH. Même là, nous avons l'impression que c'est très difficile, très compliqué. Quelque part, nous mêmes haïtiens nous réunissons. Nous mettons nous ensemble et puis nous jouons une solution. Nous travaillons avec partenaires nous et puis nous avançons. Notre pays est en train de vivre un moment excessivement complexe. Depuis plusieurs années, les gangs contrôlent 80% de la zone métropolitaine. Nos enfants ne peuvent pas aller à l'école en paix depuis des années, parce que la moitié de notre population est en insécurité alimentaire. 500 000 personnes sont déplacées. Regardez aujourd'hui la carte d'une partie de la ville. Mais comme Gary connaît tout le monde, connaît naturellement son forum, ça c'est forum parler, c'est activité parler, c'est pas ça l'habitué. Et la souké koli. Mais m'a dit nous que l'important pour que nous tendez des matchs docteur Konio parce que pour moi-même monsieur gon côté sorti, il y a des monde qui voyel nous grand pile interrogation sous tête monsieur. Mais pas oublier naturellement en tant que monde li fait en Haïti. M'passe le gon ti crasse
de Saline dans sang. OK, parce que le petit crasse de Saline dans sang. Prend engagement non? Prend responsabilité non? Pour nous faire tout ça qu'on est capable pour nous aider mettre pays ça sur rail. Nous pas bataille contre Gary Conné. Mais nous prenons bataille en faveur d'Haïti. Même Jean Commandant Philippe Dil. Nous pas le bloquer. Nous pas le craser. N'a fait opposition constructive. Côté que nous pas n'attaquer. Mais n'a observé, n'a noté et n'a proposé. Gary Conné a font ti parler dans forum ça entendre avec un peu d'intérêt et puis n'a tourner par la suite. Alors saluer nous, moi content pour moi ensemble avec nous. Je veux saluer l'engagement citoyen de l'ensemble de la société civile de mon pays et particulièrement la ténacité de VDH. Même le nos impressions bah yo très difficile, yo très compliqué. Quelque part nous mêmes haïtiens nous réunis, nous met tête nous ensemble et puis nous joindre une solution. Nous travaillons avec Port de Nernuyo. Et puis nous avancer. Notre pays est en train de vivre un moment excessivement complexe. Depuis plusieurs années, les gangs contrôlent 80% de la zone métropolitaine. Nos enfants ne peuvent pas aller à l'école en paix depuis des années, parce que la moitié de notre population est en insécurité alimentaire. 500 000 personnes sont déplacées. Je regardais aujourd'hui la carte d'une partie de la ville, elle est désastreuse. J'ai hérité d'institutions étatiques qui sont excessivement fragilisées. Nos cadres sont démoralisés. Il y a des ministères qui n'ont même pas de local pour se réunir. Mais au milieu de tout ça, les groupes politiques se sont réunis et ils ont pu trouver un accord. Des mondes qui, des années à Goumen, des années à bataille, qui parlaient même vision, qui parlaient même idéologie, ils ont réuni et puis ils ont dit, moment excessivement grave. Faut entendre nous, faut jouer nos structures pour nous gouverner le pays, pour nous sortir le pays dans sa rue. Et des organisations ont supporté un processus qui a donné 9 membres du conseil présidentiel. 9 membres ont réuni en Storio, ils ont discuté, ils ont entendu son premier ministre qui parle de nous. En moins de 7 jours, conseil présidentiel, ça, avec premier ministre, là, arrivé formant un gouvernement. Pour un pile d'autres pays, c'est pas grand chose. Mais pour Haïti, c'est un pile. C'est un pile. C'est la preuve de la volonté et de la compréhension que le moment est particulier. C'est ça qui nous donne un peu d'espoir sur la vie. Malgré l'accomplissement de ça, les défis sont encore très, très grands. Énormes, même. Il y a 100 000 embûches. Il y a 1 million de raisons pour lesquelles nous risquons pas arriver côté de l'hiver. Si nous pas tenu compte du fait que, au centre de la démarche, il y a les Haïtiens. Et c'est sur ça que nous devons miser. Alors, le matin, je dis, qu'en réunion du Forum national des organisations de la société civile, je n'ai pas résisté pour me laver. Parce qu'en fait, le succès de l'entreprise de la transition ne peut même pas se concevoir sans l'implication continue de la société civile, des jeunes et des femmes. Einstein, il dit, la folie, c'est leur refond même bagaille plusieurs fois et vous pensez qu'on va joindre un résultat différent. C'est pas la première crise, nous. C'est pas la première fois. Sur les 30 dernières années, m'a rentré dans la salle ça pour me faire réunion. C'est certainement pas la première fois que nous vivons ensemble pour nous voir qui ça nous va le faire pour nous capable de sortir du pays à la salle hier. Et c'est probablement pas la dernière fois, mais fois ça. Moi-même, ça me donne c'est que forum ça m'a dit tête-li. Qu'est-ce que nous allons faire différemment? Comment nous allons approcher ces bagailles-là? Qu'est-ce que nous avons appris des 20 dernières années? Comment nous pouvons assurer nous que forum ça non seulement les créer comme une plateforme mais les jouer rôle
li contribué, li aidé à assurer deux bagages. Que un, vision, aspiration, population, désir, population plus large là, li effectivement prise en compte, et particulièrement, on a parlé de femmes à jeunes, li effectivement prise en compte et reflétée dans toute décision que l'équipe transition a fait. Mais deuxièmement, et ça tout aussi important, la joue un rôle de relais pour l'expliquer aux populations, des décisions qui des fois pas évidentes pour aider populations à comprendre que nous parlons dans le bon sens. À travers le monde et à travers l'histoire, je dis, il est largement reconnu qu'il n'y a pas de succès réellement si 50 et plus pour cent de la population n'est pas effectivement représenté dans tout le processus. C'est d'ailleurs pour ça que avec CPTA, nous avons pile pour une bonne représentation de femmes et de jeunes dans le gouvernement. Nous pouvons jamais même presque arriver côté moi-même nous t'aimer arriver. Et nous connaissons nous beaucoup plus pour nous faire. N'a mesuré succès au fur et à mesure à l'autre décision que parle prendre dans le gouvernement. Parce que son nécessité pour jeunesse là avec Famio, représenté dans sa cap-fête là. Maintenant, avec Forum ça, je crois que nous avons un interlocuteur excessivement intéressant pour nous continuer la discussion et pour continuer à rappeler l'engagement que nous prenons pour nous réussir ensemble. Nous sommes conscients des défis immenses auxquels nous faisons face. Et entre autres, l'insécurité, les inégalités socio-économiques, les crises environnementales. Chacune de nos actions doit refléter la pensée centrale de ce nouveau gouvernement qui entend multiplier les espaces de discussion interhaïtiens sur cette transition politique et sur les grands chantiers tels que définis par l'accord du 3 avril. Ces chantiers doivent être de toute évidence source de débat entre le gouvernement et les citoyens et de recommandations en vue d'une meilleure cohésion de l'action gouvernementale. La participation des femmes et des jeunes aux échanges sur la restauration de la sécurité, sur le lancement du processus électoral, pour le renouvellement du personnel politique est évidemment fondamental. Je dis, nous ne pouvons pas résoudre le problème sécuritaire, sans ne pas accompagner par les jeunes, parce que quelques monde en pile fois détourné pour faire ou faire, ça n'a pas de fait. Je dis, nous ne pouvons pas parler ou remettre camper l'économie, sans nous pas accompagner les femmes qui ne peuvent pas bouquer travail, ni tout si nous ne pas créer moyens pour faciliter les jeunes à joindre financement pour réaliser l'idée business yo gain. Je dis, nous ne pas parler sous question conférence nationale avec révision constitutionnelle sans femmes avec jeunes, plus passer moitié population. Je dis, pour l'État fonctionner comme ça doit et pour la justice blaye, nous ne pas fermer les yeux sous toute qualité violence femmes actifs yo a subi. Tout ça pour montrer nous, femmes et jeunes, c'est pilier transition. Aussi, je vous invite à continuer à vous mobiliser, à exprimer vos idées et vos préoccupations, à être ouvert au dialogue et à travailler main dans la main avec le gouvernement. Je suis convaincu, chers amis, que ce forum représente aussi un effort remarquable de mise en œuvre des résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies qui souligne l'importance de la participation politique des femmes et des jeunes, notamment la résolution 1325, qui a mis l'accent sur le rôle crucial des femmes dans la prévention de la résolution des crises. La résolution 2250, qui reconnaît l'inclusion des jeunes dans la prise de décision à tous les niveaux. Je salue donc cette initiative des organisations de la société civile qui joue un rôle déterminant en tant que pont entre le gouvernement et la population, en tant que gardien de nos valeurs démocratiques, voix des sans-voix, défenseur des droits de l'homme et catalyseur du changement social. Ce forum, supporté par plusieurs institutions internationales, constitue un point d'ancrage national à travers une organisation nationale, le VDH, qui promeut la participation accrue des jeunes et des femmes dans le processus politique de transition en cours. Je salue tout aussi bien l'engagement continu de MINU, des Nations Unies, des États-Unis d'Amérique, de l'OEA, de l'Union européenne, de tous les partenaires internationaux à soutenir les efforts des autorités haïtiennes et de la société civile. En terminant, je dis aux jeunes et aux femmes de mon pays qu'ils ne sont pas que seulement que l'avenir d'Haïti, ils sont le présent d'Haïti. Non pas seulement parce qu'ils représentent chacun dans sa catégorie plus de 50% de la population, mais parce que leur âge de vaincre l'adversité est une source d'inspiration pour celles et ceux qui dirigent le pays
et un message national et international qu'Haïti vaincra. Je lance donc officiellement le Forum national des organisations de la société civile. Je vous remercie de votre dévouement et je vous souhaite déjà de très, très bonnes délibérations. Merci beaucoup. Voilà. C'était chef gouvernement, Premier ministre Dr. Gary Gronin, qui était pris la parole dans le forum ça, qui est organisé. Et hier, qui était 27 juin 2024, là, un peu le monde a participé. Et plusieurs points abordés. Nous entendons, sauf que ça qui est important. Nous-mêmes nous disons, 50 000 paroles te mettent parler. Ou te mettre dit nous avons venu avec question tout qualité bagaille dans le pays d'Haïti. Et qu'on grand bagaille qui intéresse tout Haïti, qu'on ne va pas la voir là. Qui le monde ap capable marcher dans Port-au-Prince là? Qui le pour un Haïtien décider la sortir au cap Haïtien en bus pour faire même trajectoire qu'on fait 4 ans de cela? Sortir au cap, passer toute tête monde qui nous connaît yo, en passant par Gonaïve, Vallée de la Tibonite, descendre dans la Tibonite, passer par Semak. Pour rentrer à Kaye Kabaret, pour bail, pour passer Canaran, rentrer Bon Repos, Croix des Bouquets ou bien Route 9, pour un Nidelma. Qui le, ça a pas fait. Qui le, yon bus qui te kon charge Bon Impérial, pour le Balgo Naïve, li dit la privé dans 2 heures de temps, qui le, ça a pas fait encore. Qui le, station Go Naïve en bas, dans zone en bas la ville, tout près Cité Soleil, qui le, la vie a reprendre dans zone ça, c'est ça. Qui intéresse tout Haïtien. Et en plus de ça tout, parce que phénomène gang criminel assassin dans le pays d'Haïti, les rebailles haïtiens qui ont sens, qui ont vision pays, qui ont l'idée de changement, ils ont l'autre opportunité pour réfléchir sur la construction du pays d'Haïti. Parce que nous devons construire le pays. Ya. Nous ne pas parler de reconstruction parce que Haïti n'a pas été construit déjà. Ça m'a regardé, franchement. Depuis, ou bien, nous sommes capables de parler de reconstruction tout, parce que sous régime François Duvalier, ou t'es un pays, quelque part, qui tape en direction. Maintenant, 30 ans, 38 ans de cela, vous prenez Haïti, vous détournez, vous virez, vous mettez la tête plate. Vous détruisez Haïti. Est-ce que nous sommes capables de continuer comme ça? Parce que ce n'est pas possible pour nous, un pays, pour c'est comme ça pour nous quitter le continuer. Non, Haïti pas capable. Faut qu'Haïtien qui ait sens de responsabilité yo, Haïtien qui remet pays yo, Haïtien qui remet moun, yo, Haïtien qui pas ka wèz frère yo zantray yo, ap victime dans conditions pareil yo. Je dis à faut que nous tout mettons tête nous ensemble pour dire que Abraham dit c'est assez. Enough is enough. Parce que nous pas capable continuer comme ça. Faut gagne un bagage qui pour fête. Et voilà. En pile parole à parler média dominicain yo. Bon, ou bah là qui est important tout oui. Pendant n'a dit ça. Et média dominicain gon focus sur Jimmy Cherizier alias barbecue. Et c'est l'âme de manque comprendre bail là oui. Le pays ça. Son pays me dit monsieur oligarque yo. Yeah, monsieur. En tout cas, monsieur Oligakyo, monsieur Oligakyo, vous prenez pays en otage, vous tuez petit peuple là, vous faites toute qualité avec malhonnête, et puis tout le monde est bien quand vous regardez dans les yeux, comme si son blague, et comme si vous avez son jouet qui est là. Que tuer moun sans condition dans pays, il fait toute qualité crime dans pays et puis moun de bien campé a regarder assassin cap détruit un pays dans condition pareil. Même moi qui ne pas continuer comme ça, faut gagne bagarre qui pour faire. Voilà, et gon nettoyage qu'a fait au niveau diplomatie haïtienne non, avec arrivée nouvelle tête ça qui c'est madame Dominique Dupuis qui a pris des décisions réelles, et nous avons dit nous prenons acte, nous supportons
dans démarche là. Ah oui, nous supporter les dans démarche là, mais espérer que il prend toute disposition pour que gain résultat qui baille. Faire des réformes, réparer diplomatie haïtienne qui fragilisé corruption yo. Réparer pour même pour pas venir pour glos sale là pas venir toucher ou. Et faire audit dans toute et ça qui pour avec ambassade et Haïti gain vers l'extérieur, faire audit là-dedans yo. Ne quitte pas si yo chercher qu'on est qui l'argent qui décaisse qui disparaît qui fait fond chercher qu'on est ça yo. Et je pense que avec jeune dame et Dominique Dupuis 34 l'année jeune haïtienne, je pense que si nous tout haïtien nous supporter lui, l'absence il gain force avec courage pour continuer prendre décision qu'il a prend yo. Moi même m'encourager et me sûr que famille amis plateforme YouTube faut mettre yo à supporter le tout dans démarche là. Parce que nous capables pas vouloir oligarque corrompu assassin criminel gang yo qui mettait coulève cette traite là mais pas oublier ou gon diplomatie pour que nous-mêmes nous pas qu'à faire politique sale là-dedans. C'est rassurez nous que mon cap rentrer là-dedans c'est pas sous base attribution pour et politique et comment les mon groupe politique ko attribué ko discord non c'est sous base compétence mon qui remet pays a mon qui prêt pour laver image pays mon qui a capacité pour aider pays à sauter là. Parce que madame ça c'est une meilleure tête qui capable aider nous remettre diplomatie à sous pied, mettre jeune qui compétent, mettre monde qui compétent, monde qui était personnel qui capacité pour venir consul, pour venir ambassadeur, mettre au dans poste ça yo pour que capable de nous réparer pays ça. Madame Dominique Dupuis m'estime que l'extrêmement important encore une fois pour que nous tendez intervention ça qu'elle fait dans l'assemblée dans 46e assemblée générale et l'OEA. Entendez avec un peu d'intérêt pendant que nous partager commenter émission ça. Attendez. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire Général, Monsieur le Secrétaire Général Adjoint, Excellences, Mesdames et Messieurs les Ministres et Chefs de Délégation, Excellences, Mesdames et Messieurs les Représentants Permanents des États membres, Excellences, Mesdames et Messieurs les Représentants des Observateurs Permanents, Mesdames et Messieurs. C'est avec un immense honneur que je vous adresse les salutations les plus cordiales de leur excellence, les membres du Conseil présidentiel de transition de la République d'Haïti, présidé par M. Edgar Leblanc-Fils, ainsi que celle du Premier ministre, le Dr. Gary Conille. En leur nom, je vous transmets les vœux de succès et de pleine réussite pour les travaux de cette 54e session ordinaire de l'Assemblée générale. Je félicite chaleureusement le secrétaire général de l'OEA, Monsieur Luis Almagro, pour l'organisation remarquable de cette session. Monsieur le Président de la République du Paraguay, Su Excelencia Santiago Peña, je vous remercie de nous avoir accueillis à Asunción, ville au passé riche et qui, comme Port-au-Prince, porte encore les empreintes d'une histoire universelle. Votre pays, comme le mien, a été un carrefour de rencontres violentes des civilisations. Et ce matin, il est un point de convergence prometteur entre les peuples des Amériques. La République d'Haïti, ce bout d'île magique au nom duquel je parle, est le foyer de l'intestelle de la liberté pour tous, le berceau de la dignité pour tous. Dans l'épopée de ce continent américain qui nous unit, chaque recoin témoigne encore de la contribution haïtienne, raconte encore la vision et le courage de nos pères fondateurs et de nos mères fondatrices qui ont rêvé puis réalisé l'impossible. Si notre parcours a depuis été jonché de pages plus sombres, Haïti est encore et toujours prête à participer à la construction de notre avenir commun, ensemble. Monsieur le Président, le thème qui nous réunit cette session a une résonance particulière avec les réalités de mon pays. Il nous rappelle aussi, à bon escient, qu'intégration et sécurité pour le développement durable de la région sont des préoccupations tant profondes qu'urgentes pour tous les représentants réunis autour de cette table. Chacun de nos pays doit répondre à un niveau ou à un autre à la violence et aux inégalités chroniques dans la distribution des richesses. Durant cette Assemblée générale, il nous revient donc de prendre des engagements impérieux visant à permettre l'épanouissement de chaque citoyenne et de chaque citoyen de notre région, et Haïti participera activement à ces débats. Chers collègues, oui, Haïti est confronté à des défis majeurs, encore. L'insécurité a trop longtemps paralysé notre trajectoire. Les crises multifactorielles exacerbent les souffrances de nos compatriotes, forçant trop d'entre eux à se résigner à la périlleuse entreprise de la migration.
Des centaines de milliers de déplacés internes naviguent encore, sans repère, un quotidien incertain, livré à eux-mêmes sur les parvis des églises. Au début de cette année, l'instabilité politique a menacé jusqu'au fondement de notre société. Elle a ébranlé notre foi dans un avenir meilleur et asphyxié nos élans. L'hémisphère entier a ressenti ses secousses. Pourtant, à Port-au-Prince, les bougainvilliers ont recommencé à fleurir entre les fils barbelés. Le cliquetis des dominos se devine dans les quartiers où le bruit des armes s'est tu. Les files d'élèves en uniforme tracent dès l'aube les rues de la capitale. Le ballet des avions commerciaux a repris dans notre ciel. Le pays vient d'enregistrer les semaines les moins meurtrières depuis juillet 2021. Ces signaux, timides et fragiles, nous encouragent et nous obligent. Sous l'égide du Conseil présidentiel de transition, composé des grandes orientations politiques du pays, du secteur privé, de la société civile et des associations interfois, un moment inédit de rassemblement national est né, dans une opportunité réalisée avec l'appui bienveillant de la CARICOM. Rarement dans notre histoire récente de peuple avons-nous eu l'occasion d'être tous véritablement à bord du même train. Aujourd'hui, tous les acteurs se déclarent décidés à remettre le pays sur les rails du développement durable et vers les urnes. Nous entamons un chapitre de l'essor, prudemment, mais entièrement. C'est dans ce contexte et en dépit des obstacles colossaux que le nouveau gouvernement haïtien est déterminé à prendre toutes les mesures nécessaires en vue de réussir les grands chantiers qui cimentent l'accord de transition politique. Rétablissement de la sécurité, redressement économique, réhabilitation des infrastructures, sécurité alimentaire et sanitaire, organisation d'une conférence nationale, révision constitutionnelle, retour à l'état de droit et de la justice sociale et élection pour le renouvellement du personnel politique. C'est désormais autour de ces grands axes que doivent s'articuler nos partenariats avec la région, le temps de la transition. Excellence. Conscient que tous nos pays sont en proie au fléau de la criminalité transnationale qui a des répercussions profondément négatives sur nos sociétés, le gouvernement haïtien s'attellera sans compromis à la lutte contre la corruption, contre le trafic des armes, le trafic des personnes, le trafic d'influence et le trafic illicite des biens culturels. Il organisera la mise en place d'un dialogue avec toutes les parties prenantes de la société haïtienne et de sa diaspora. La restauration de la confiance et de la solidarité entre les citoyens est une pierre angulaire de la reconstruction du pays. Cette confiance ne saurait se dessiner sans la prise en compte de l'état de traumatisme aigu qui mine chaque Haïtienne, chaque Haïtien. Confronté à des actes de violence, au cataclysme, à la faim, au désespoir, le deuil a longtemps semblé être le dernier dénominateur commun de la population haïtienne. Nous tous portant, malgré nous, le poids de pertes indicibles, pertes de l'enfance, pertes de l'innocence, pertes d'une maison, du droit à l'éducation, de proches et de parents, du droit à l'identité, de l'espoir, pertes de sens. Cette lourde taxe psychosociale atteint particulièrement les enfants et les femmes. Il nous revient, à l'ère où nous osons à nouveau imaginer une relance, à l'heure où nous pouvons affirmer avoir échappé de près au basculement dans le vide, de penser à eux, d'accorder dans tous nos projets la priorité aux mécanismes de soutien psychologique, d'encadrement pour les victimes de viol et d'accès à la justice, de réinsertion pour les mineurs enrôlés dans les gangs, d'appui aux adolescentes devenues mères malgré elles. Il nous revient d'avoir, en leitmotiv des chantiers d'État, l'objectif de penser ensemble les plaies béantes que nous maquillons pour rester debout. Cette transition est donc aussi le moment d'enclencher un exercice de thérapie collective, nécessaire à la solidité de toute fondation institutionnelle. Un exercice dans lequel votre soutien sera le bienvenu. Conscient des pertes majeures encaissées par le secteur économique haïtien à toutes les échelles, nous comptons briser le cycle de croissance économique négative qu'Haïti connaît depuis 2019. Dans nos échanges ici et tout au long de cette transition, vous m'entendrez articuler au nom d'Haïti des invitations à l'investissement. Vous
proposer des engagements afin de retenir et fidéliser nos partenaires commerciaux, de contribuer à la création d'emplois, de soutenir les petites et moyennes entreprises, de revitaliser l'économie en exploitant les ressources locales et en stimulant l'innovation et l'entrepreneuriat, particulièrement dans le domaine des arts, de l'artisanat et des nouvelles technologies. Conscient aussi que plus de 5 millions d'habitants sont en situation d'insécurité alimentaire, remédier à cette conjoncture est un pari qu'avec vous, nous pouvons et nous devons gagner. Nous le devons à cette... Permettez-moi une promotion sur l'intervention ça. Côté et ministre l'a dit que nous avons près de 5 millions d'Haïtiens qui n'ont grand goût. Quand ça va quand même tellement attendre longtemps, comme si on va poser des questions, monsieur, comme si pas grand rien qu'a fait, au lieu d'aider nous, pousser la production nationale, nous fait tout effort que vous capable pour écraser la production locale, la vraie, monsieur, pour faire importation. Comme si pays pas presque pas produire rien du tout, c'est importation, importation. Comme si vous n'avez pas un grand goût à vrai. N'importe les négos voulez bloquer pays, vous bloquez les pays, tout pays a fermé. Ça veut dire que les pays d'Haïti n'ont même pas les corrompus. On continue, madame, désolé. Jeunesse haïtienne qui, loin de vouloir se heurter au danger des parcours migratoires ou à la brutalité de l'exil, a soif de contribuer à l'avancement de son pays, de rester sur sa terre pour laquelle elle garde un attachement viscéral, au sein de laquelle elle voudrait rester apprendre, travailler, investir, s'épanouir, rester vivre dignement chez elle. Mesdames et messieurs, il y a environ 48 heures, les autorités de la police nationale d'Haïti ont accueilli le premier déploiement des soldats d'un pays frère, le Kenya, dans le cadre de la mission multinationale d'appui à la sécurité. Touchés par l'esprit de service panafricain de ces hommes et de ces femmes, nous espérons aussi que cette mission sera la dernière fois où Haïti aura à faire recours à une telle démarche pour appréhender son avenir. Mais afin qu'elle soit la dernière fois, il est impératif que cette mission aboutisse pleinement à ses objectifs aux côtés de la police nationale haïtienne. Je vous dis donc en des mots très clairs que c'est le moment de soutenir Haïti. C'est le moment de contribuer au renforcement de notre héroïque police nationale et de nos forces armées, tout en remerciant les partenaires qui ont déjà contribué par un soutien financier, technique ou en personnel, particulièrement les États-Unis d'Amérique, qui n'ont fait l'économie d'aucun effort pour arriver à cette première étape. Nous appelons toute cette Assemblée à un appui massif et urgent à cet effort critique. Le moment pour garantir un lendemain meilleur pour tous les Haïtiens et pour toute la région, c'est maintenant. Aujourd'hui, l'investissement certain en Haïti est dans le rétablissement de la sécurité, la condition sine qua non à toute autre retombée positive pour la population haïtienne. Dans l'idéal si noble qui anime la Nuestra America de José Martí, ma démarche ici transcende un appel à l'aide adressé à nos voisins de la région. Elle représente une invitation. Une main tendue au combat, cette chaîne traditionnelle de soutien fraternel, de solidarité mutuelle dans l'effort afin de récolter ensemble la stabilité et la paix régionale. Nous vous invitons à vous camper aux côtés d'une Haïti décidée à être à nouveau forte, car l'histoire nous a appris que nos triomphes ont toujours été mis au bénéfice de tous nos frères et de toutes nos sœurs de l'humanité. Chers voisins, arrivée d'une capitale criblée et meurtrie, je voudrais vous confier ici le murmure de l'espoir, vous dire qu'il existe à nouveau le crépitement de la vie. Depuis quelques semaines, il émerge une audace fragile mais tangible de toute la population haïtienne qui aspire à transformer l'espérance en nouveau dénominateur commun, décidé à réaliser l'impossible encore une fois. Je vous confie ici la force des Haïtiens qui savent que l'expression de notre culture, de notre identité, de notre essence est et sera toujours un acte de résistance, un pied de nez à la terreur. Comme ces artistes qui dansent encore à Port-au-Prince, altiers, puissants, qui semblent exorciser la douleur qui pèse sur tout un peuple. Comme eux, il nous revient aujourd'hui de regarder en face et ensemble les causes et les perpétrateurs de nos malheurs et de les éradiquer à jamais. Merci, merci en pile, Aïbobo.
Merci en pile, madame la ministre, Aïbobo pour tout. Très bien. Et voilà, avant que nous fassions commentaire, nous gagnons un compatriote haïtien qui est extrêmement important pour nous là. Bah, qu'on est, arabe, par contre, qui ça, arabe, fait pour moi. Même, de quel est le bon problème? Quel est le bon moment de faire mon bagage? Je me demande arabe là pour le sous compte tcha-tcha pour moi, pour André Michel. Je suis compte tcha-tcha pour Nenel Kassi. Arabe là, comment nous y est bienvenue, papa maintenant? Moi, tout le monde qui a bon problème, yo. Moi, je révoque tous les deux qui ont mis la rue à même j'avoue. Comment nous, frère? Moi, salue, frère Mbeto. Moi, salue chaque grand auditeur, auditrice qui a écouté nous sur Info Beto. Je dis à frère Mbeto, pas oublier, arabe la quoi dans qu'il supe il, li quoi dans l'esprit en sept yo. Les nous dit, Jovenel Moïse a besoin de justice, faut que li joigne justice. Les nous dit, tout le monde qui fait arabe à bille, arabe a besoin de justice avec yo. Ah ben nous commençons à jouer une justice. Frère Mbeto, bataille n'est pas aussi facile dans la coupe d'Haïti pendant que je parle avec vous, Frère Mbeto. Et, mais yo, pour moi-même, je dis à nous connaître qui est-ce qui a mais yo, c'est bandit légal, c'est nègre pouvoir, André Michel, Majorie Michel, Nenel Kassi, qui t'a créé Fantôme 509. Ah ben je dis à nous, ouais, qui j'en peux pas la vie dans pire, non, mais nous, Frère Mbeto. Tout quartier populaire, yo, petite sort la lage aux abois, parce que premier ministre sort son bagay là, on note là, il y 72 heures de temps pour tout innocent quitter zone qui gagne messieurs armés. Pas oublier, surtout pour zone en bas la ville là, je vais parler avec vous là, petite sort là, pas de côté pour y aller, il y a des six zones, moun. Premier avenir, deuxième avenir, vous connaissez les zones ça, c'est là, petite sort là, qui vous fait. Gen moun même souhait ka pou fè t'ap boulé t'ap krasé li résigné li retourné parce qu'il pa ka fè ville en batote li pa ka fè ville dans la rue li retourné même si li wè nèg amé mais retourné la caille la caille c'est la caille mais kounya premier ministre a mandé depuis ces moun ka vive dans quartier populaire de pou pa bandi ki té communication a coupé moi six amis dans quartier populaire yo. Allô. Communication a coupé, font ils bouger pour nous parce qu'il va passer bien. Oui, Frère Mbeto, pendant ma parole avec vous là, premier ministre sorti en note côté il dit depuis un monion pas bandi, il y a 72 heures de temps pour quitter toute zone qui gagne monsieur Améo. C'est ça qui a dominé population là dans moment ma parole avec vous là parce que 90% zone métropolitaine dans là c'est nèg armé qui la donne pas gagne à fort courir à Pétionville. Pétionville gagne nèg armé pas oublier dans Pétionville là dit Pétionville chargé périmètre qui pour vite l'homme chargé périmètre qui pour tant d'autres bandits jodi alors dit moun yo depuis que yo pas armé qui té caillou côté gagne moun qui fait conti ferme gagne moun tout c'est sel vie grand bloc là gagne monté li pas gagne sel pas gagne famille tout coup c'est la caille li pour rester mais premier ministre mandé yo quitter zone bon c'est premier ministre qui a fait travail là police professionnelle parce que gen des drones des appareils sou mete la terre en l'air ou après tout caille qui gen dégagé je dis à la m'pa quoi c'est dit pour ab di moun koui pa gen côté ka koui la parler avec là que toute zone c'est zone de l'endroit parce que pas oublier son chef gang qui était dans tête pays là qui est Ariel Henry il était gang terrible tout côté je dis à la m'ta comprendre si que ou village de Dieu ou doit quitter dit que on les zone ou deux quitter mais tout Delma Pétionville gain zone de l'endroit gain monde Delma 24 là vraiment parler avec ou là c'est que chaud par contre gain monde Delma allô ou ca permettre et ouais permettre moi dire un bagage qui est extrêmement important et au fait que ce deal là village de Dieu arabe si on monde connaissait bon monde doit quitter village de Dieu période ou connaissait bon monde ou connaissait bon monde ou doit quitter espace que vite l'homme hier arabe nous pas tolérer ça encore. Vous connaissez bon monde ou de quitter Canaran. Mais objectif là, doute pour nous connaître que, les gros green bagages qui ont envie faire, c'est barbecue seulement, n'est-ce pas, besoin. C'est ça, m'y comme information, n'est-ce pas, besoin barbecue, parce que barbecue a une capacité pour que, li capable de gérer une situation. C'est, n'est-ce pas, besoin de barbecue, puis il faut que tu aies barbecue. Et ça seulement, n'est-ce pas, besoin. Même pas de problème. Mais quand on a n'est-ce pas, 20 ans, n'est-ce pas, 20 balles, c'est la favelle. C'est ça qui est important. Mais après ça, depuis que c'est n'est-ce pas, quand il y a un problème, tout doit mourir, oui. Mais il y a un 20 ans, 20 balles. Ça le fout lui-même. C'est l'âme de Blévinavant, Frère Mbeto. C'est l'âme de Blévinavant. Pendant ce temps, où vous avez fait des armements, tout y est ISO, tout y est Tlapli, tout y est barbecue, tout y est quel que soit, n'est-ce pas, ça va prendre le pays à Yomès, tout simplement.
vraiment, maman Rimba, c'est le monde qui a transporté les armes. Parce que les réformés, c'est la vie de nous d'avion, les réformés, et ils ne pas aller aux États-Unis. 90% d'âmes qui n'ont pas les c'est aux États-Unis qui sont sortis. Je dis alors, dis que vous parlez tout les et puis tout le bagage est fini. Pas oublier les négos, il y a plus que 2000 soldats, 3000 soldats derrière. Là, parce que ça, il y a plus que 4000 négos avec lui. Je dis à où tout est. L'autre est écrit ça, est-ce que c'est tout négo tout est? Je dis à la qui t'a fait l'état pays, moi t'as fait des conseils. Comme l'aime pas des conseils, moi-même, moi, c'est réalité dans le moyen. Dès que la semaine passée, je me conférence de presse, moi, je demande à Marie-Chienne, moi, je m'a prédit encore, beauté créole, moi, je t'en prie. Chaque mois, d'accord, Kenya, moun salmoué, pina, yogi Ebola, yogi choléra et yogi sida. C'est ça que dit c'est gang qui voyait venir parler. C'est votre parole, gang qui est mieux. Non, mais ça n'a fait, mais ça n'a fait arabe. Et vous connaissez, ou même vous avez une possibilité, vous êtes capable de faire une conférence de presse, vous êtes capable de passer le pour vous. Mais vous connaissez, alors pas respect, pour respect, nous capable de gérer ça sur la plateforme, non? Vous pouvez répondre, soit répondre à un monde qui dit un bagage de vous, vous avez une conférence de presse. Mais le point que nous abordons dans l'émission, qui est extrêmement important. Problème de sécurité, il y a Dr. Gary Koni qui s'est dit qu'il peut y avoir un ou même ou gain sous façon que vous décidez de démanteler les gangs. C'est ça qui est important pour nous. Et puis, révocation, commissaire Richemont et puis commissaire Bordeaux-Brestlin, c'est deux bagages qui sont importants pour nous, Arabes. D'accord? Et, en mes frères, nous connaissons, Jean-M. Zoula, nous même nous pas de chambre tolérer les gangs, nous avons combattu, nous avons mené déjà en face gang, mais les mingas de moi, c'est comme si c'est lavé, mais sur la terre. Nous avons combattu contre les gangs, vraiment merci. Maintenant, les mêmes la côté d'âme balle avec pas contre Nevin. Oui. Il y a les Arabes qui campent la baille manchette. Dimitri Vop, c'est Ril Tapri Arabe. Reginald Boulot, c'est Ril Tapri Arabe. Et Pierre Espérance, c'est Ril Tapri Arabe. Fantôme 609, Pablier qui te gagne France LB dans tête. C'est Ril Tapri Arabe. Les Arabes à baille manchette. Parce que c'est pas contre Nevin. France LB, c'est qu'on a volé Balvini dans le quartier populaire. Je dis à les Arabes camper la bataille contre Negak Safat là, tandis que gang adverse au pouvoir, gang oligarque là, faut que nous bataille contre tout. Je dis à Reginald Boulos qui a campé aux États-Unis pour la voie balle, voie mine et voie zambini, craser Kateo, tandis que tout le pays a fonctionné. Pour ça, le craser, à quel Delimat a fonctionné. Tout côté, maquette Delimat a construit. Tandis que Kwabosal, qui c'est maquette peuple là, l'écrasé. Pas oublier Arabes, t'es victime de yon. Kidnapping. 12 février 2024, là, par Richemont, par Ronald Richemont, Fembeto. Son kidnapping. Le Richemont, vous avez vu kidnapper, moi, avec ma délégation, délégation, Mario, tout de noir, en blanc, tout de noir, les autres, on va faire passer. C'est grand architecte, là, qui fait les rapides. Tout simplement, les deux témoignons vidéo, vous êtes dans le grand côté. Soutien avec une victoire, une parole victime, une jeune garçon 20 ans, qui s'est complètement pas à elle, qui s'est complètement dit non avec impunité et ingérence internationale, en même temps que Kaïman Mali était assassiné, Arabe est arrivé dans le département sud là, dans le jour dimanche qui était 11 février, en même temps que c'est sorti 11 février, dans dimanche, Kaïfan Mian, dans l'indi, lève mal là, avec mal, mon petit frère, mais des. Et Jasper il s'est noté campé avec moi pour aller à sa passé, mais je pas fait ni de l'histoire, je t'ai couru. Transporté par bateau, by gang et Guillaume, LB Guillaume, c'est comme il s'est passé au président, il vous en a pris. André Michel dit 10 ans pour moi. Moi, je suis kidnapping. Attendez-moi, je suis en train Attendez, bougez allô, plus. N'attendo mais li gont ti coupi de temps en temps. Mais femme bête on a gote couri bourré en pénitentiaire nationale, moi j'ai rivé faire 16 jours en prison. Les rivé faire 16 jours en prison, grand architecte là, on pas connaît, li estime c'est wowo d'ailleurs, ou pas gain détail. Ou pas gain détail, c'est wowo d'ailleurs. Ou là.
Jodi amde yo. Mais quand amde yo, yo mette une campagne en plus et une machine en place pour la des photos arabes. Mettez à vider échelle des arabes. Arabe pas dans pas dit les drogues, ni pas kidnapper, ni pas assassiner, ni pas dans une nan nèg qui gagne à vider recherche. Mais jodi a qui est-ce qui fait à vider recherche? Ronald Richmond. Tandis que Ronald Richmond touye tête gari na okay. Yon journaliste si koni que tout le monde, les jeunes garçons, t'a parlé, la défendre patrie. Son jeune garçon, famille, demande pour la Biden. La Biden, 5 minutes, il n'est pas d'accord. Il n'est pas d'accord. Son jeune garçon, t'es avec, même j'ai avec Arabe. Ah ben, Ronald Richmond retire la vie, jeune garçon, ça. Ah ben, vous pensez que, famille, vous n'en avez pas, même si vous avez un monde, vous avez un Dégage, je le lève le matin pour le jeter. Non, non, esprit ancestre. Chaque dernier vendredi, chaque premier vendredi, l'elgade moi, Saint-Nicolas, avec un paquet de bagages, oui. Exactement. L'elvoyage, chaque dernier vendredi, chaque premier vendredi, il fixe baleine sous moi, Saint-Nicolas, ça veut dire un paquet de bagages, frère Beto. Un paquet de bagages. Et peut-être, ça va me dire, une jeune femme, un jeune garçon, qui aime pays où continuellement des libérations pour Haïti. Haïti n'est pas responsable, Fembeto. Diaspora des Vini. Moi, même ma goumé pour Diaspora Vini dans le pays. Mais pour Diaspora Vini, sous pile d'âme, ça va Vini. Qui est-ce qui est les amis? C'est André Michel Rosemi, la petit frère. Oligarque corrompu, yo. Oligarque corrompu, yo. Josie Abou et André Michel va faire conférence. Hein? Regardez, il boule quand même. Chef gang, pas des bouquets. À toute chose, Jean-Tolbert Alexis. Je dis à les Arabes campés, la dénonce une série de jeunes, une série d'assassins, une série de gangs. En tant qu'un jeune garçon qui était cassé, même j'avais avec Terry Altéry, qui était derrière Miko à l'étranger, depuis jeune garçon, depuis un jeune garçon, moyen, et moyen, il y a un et Terry Altéry, Terry Altéry, d'où ces gangs. Combien de fois nous, Terry Altéry, parler Reginald Boulos mal? Combien de fois Terry Altéry parler Dimitri Vob mal? Je dis à nous comprendre à clair. Nous comprenons le jeu de Cap-Géa. Mais Arabe pas dérouté, Arabe était cohérent, et Arabe jure de vie, jureront de vivre ou mourir. Soit nous libérer le pays, diaspora quoi dans nous, et c'est si tout rêve nous, c'est l'aime garder moi, pays ça, diaspora au moins. Nous disons 4 millions d'Haïtiens, Haïtiens qui évapient à travers le monde, mais au moins 500 000 d'Haïtiens à entrer dans l'habitation, dans le pays, dans une plante en pied mango, dans une plante en pied, quel que soit pied bois. Bon diaspora qui dit avant le mourir, il faut le plante en 10 pieds bras sous le bout de terre, papa des salines. Bon tigre, mon dieu, il a 23 ans, avant il y a la parole avec. Dis-moi, la bourre, tout le monde, papa le plante 83 pieds bras, parce que mieux 83 l'année. Si vous êtes pas de saline, non, je vais voyager depuis à l'âge de 18 ans. Mais je dis à 23 ans, il y a un pays qui m'a dit. Il y a un pays qui m'a dit. En même temps, il n'y a pas aussi facile pour Mbeto, mais nous étions cohérents, nous avons boumé jusqu'à ce qu'on délibère le pays. Très bien. Kebela, Arablan, nous avons continué la bataille. Kebela, c'est ton plaisir. Oui, c'est notre pour merci. Merci, voilà. Ça m'avait nous, c'était Arabe, depuis dans la coupe, pays d'Haïti. Nous avons fait parler peuple haïtien sous situation qui a été développée dans le pays. Bataille Jean Dinouan li l'a continué et nous pas camper, Responsabilité rete responsabilité, engagement rete engagement, n'a continué mener bataille Jean que et nous tendez là. Et bon, beaucoup jeune note là et si premier ministre là mandé avec tout le monde qui dans quartier populaire dans zone défavorisé pour quitter zone yo dans 72 heures pour moi même parce que son meilleure décision et on premier ministre ton premier ministre li fin parler c'est fini si on moun konn ko pa nan gang ou pa nan volo ou a vide les lieux après 72 heures là ou rete nan quartier pa gen l'autre bagay koyé c'est gang koyé li clair période mais entre-temps est-ce que PM nan tout lancer une opération pour démanteler n'est cap vendre zam cap vendre balle là parce que la police t'est capable pas gêner pile travail si que les gars quand t'es suspend vendre zam s'il t'est suspend vendre munition ça nous les balles là est-ce que les gars suspend vendre balle est-ce que premier ministre préparer le pour le démanteler les gars cap vendre zam cap vendre balle dans pays que les États-Unis d'Amérique le Canada sanctionné pour gang pour financement gang pour tout le monde dans pays ça est-ce que PM non Paris pour faire ça mais comme batalan il peut-être gain plusieurs étapes là-dedans. Ou ka gen plusieurs façons capable aborder mais je veux dire ça qu'on a cherché
C'est démanteler petit chien à sa patte cap kidnapper moun cap touyer moun dans pays à 50 pays. Ti monsieur ça doit mourir. Et doit mourir pour tout moun ouais a mourir. Peuple a doit tout lan soupe m'a mandé population tout préparer opération bois calé manchette là. Pas quitter yon nèg sauvé. M'a tout préparé pour mandé moun Thomasin. M'a mandé moun Thomasin préparer nous. Parce que pas gen jouet là. Pas gen tolérance là. Pas gen acheter figue là. M'a mandé tout haïtien qui vive dans zone métropolitaine de Port-au-Prince là. De beaucoup nous pas dans gang ou pas dans volo. Ou habiter village de Dieu, quittez-le. Ou habite Grand Ravine, quittez-le dans l'immédiat. Ou habite Tibois, quittez-le. Ou vive dans zone côté gang yo prend, quittez-le. Sou pas quittez-le, c'est qu'on se gang. Yo doit fizio ou boulot en dedans. Parce que trop moun souffri dans pays ça. Moun de bien souffri trop pour mal propre pour voler à foutre crase au pays comme ça. Et n'a pas mandé pour population pour filer manchette yo. Pour faire exactement je nous te fait le canapé vert 24 25 26 27 avril 2023 que se passe yon. Opération bois calé wash maman on a tolérance pour voler pour gang pour kidnapper. Et m'a tout profiter mandé moun Thomasin rete vigilant quelle que soit nouvelle tête nous paraît dans l'air. Poser la question. Faut que nous jouions des détails. Et si on moun connaît qu'on pas moun Thomasin, ou pas vivre Thomasin, ou pas une famille Thomasin, ou ces jeunes garçons, figou déjà marré, comme si marqué figu calotte, figu volo, pas mes pio Thomasin. Thomasin en état d'alerte. Faut que pays a un côté pour moun ka vivre là-dedans. Faut que pays a capable de fonctionner. Faut que moun de bien, capable de circuler. Voler pour le capital en otage, nous tuons tout le monde bien. Nous tuons tout le monde bien au pays, je ne voulais. Regardez mal propre, peut-être qu'on l'a mort 100 jours, à exposer. N'importe 4 sacs l'argent, quand tu salopes, ça te travaille dans la ville, on ne t'y pas, j'aime chirer, on ne t'y malice dans la ville. Voler à les multimillionnaires, tout chef gang dans la zone métropolitaine, dans la riche net. Parce qu'il a kidnappé. Avec toute impunité. Y a tué avec toute impunité. Y a boulé commissariat l'État avec toute impunité. Y a boulé machine l'État avec toute impunité. Moi, songe le mensonge en train dans l'église. Oh, monsieur. N'est-ce que fusion policier dans la tête, dans l'assemblée, pendant monsieur devient le fermé, la prière, mon Dieu. On joue dimanche dans quoi de bouquet. N'est-ce que fusion inspecteur police là. Moi-même, tout écrasé, faut tuer toute gang honnête. Rache yo boule yo. Parce que trop crime fait dans le pays ça. Yo fait me connaît que premier ministre Garry Conille ta gon ultimatum qu'elle déjà bail avec moun dans quartier populaire même pour qu'on vienne joindre moi. Mbo gen confirmation si c'est vrai. Même déjà dit pour moi-même parce que m'gen ti l'ancien en même dans ça qui gen pour avec sécurité nous pas cabali en détail, nous doit protéger population civile là. Nous devons protéger mon débien parce que nous besoin de la paix, nous besoin opération réussie. N'a dit tout pour qui dans quartier populaire retire ko. Yo pas dans vol, pas dans gang, retire ko. Quitter espace là bay gang yo, prend plaisir yo. C'est mettre pays yo, bay yo prend plaisir yo. Et m'a prendre la police là tout pour tout commencer. Passer même de la police là. Police qui dans gang yo tout commencer fusiller yo. Parce que c'est pas possible monsieur. Où la police mettre là? Ou besoin riche, al faire business. Et de mettre sécurité dans le pays, travail, faire business. Ou pas que les policiers ou là pour servir, protéger, ou vendre, ou entrer dans prendre zam la police pour bay, bandi. Ou dans kidnapping avec gang. Pour bon policier, d'où veille au côté à Brebien, yo fouton 40 balles dans le boudou. Salope sale, saloperie. Depuis c'est volok dans la police, la fise kakayo. Il n'est pas possible. Désolé, peuple haïtien. Parce que les plus que révoltant, messieurs, dames. T'as des pays, moun pas qu'à vivre dans le pays. Hein? Nous yon tue moun sang, comme si pour blague comme ça, monsieur, la vie.
Et puis pour un policier qui l'a pour servir et protéger, comme si nous prenons plaisir dans ça, la paix des bandits a fait ça qui faut qu'on mourre tout. Thomasin, je salue tout le monde, Thomasin, je demande de nous filer les manchettes, nous filer les nous mettez là, parce que pour pète courir dans le pays, ça, bandits ont pas le courir à gauche, ils ont le courir à droite, chaque côté ont passé, pas de l'autre bagarre qui pourtant yo. Pendant la police, la médaille a pété bois calé dans derrière yo. Et nous même tout comme peuple là, préparer ces gasoline nous, ces allumettes nous, ces caoutchouc nous, ces washmaman nous, pour nous bailler bois calé sauvage là. Parce que le moment ça, c'est le moment pour que Haïti libéré. Faut que tout Haïtien érige tête en véritable soldat combattant pour libérer territoire ça. Merci en pile, mon Thomas Kembela. Battant la pape campé. J'aime dis nous, et pas de tolérance encore. Pas de tolérance, pas de acheter figuier encore. N'est-ce que c'est criminel? C'est gang qui yoye, nous pas nan tolérer yo encore. Yon combat reto combat. Haïti pas ka souffrir encore. Faut monsieur konnen que nous pas ka tolérer de bleus à la pi plus que ça. Mais maintenant, est-ce que pour un ministre paré pour l'aider nous démanteler nèg k'ap vann zam k'ap vann bal là. 11 familles et pas prendre peuple là tout commencer. File manchette yo, file rach yo pour nous chercher direction la cage Jean Rebel d'Orsena pour nous demander monsieur ba nous liste 11 familles qui vendent zam nan. Ba nous liste 11 familles qui vendent balle là. Parce que pendant qu'il y a tout gang à sa patte là, faut nous trouver gang à cravate dans le secteur privé qui vendent zam nan tout. Yo tout doit mourir. Parce que c'est tout qui touye nous dans le pays d'Haïti. C'est yo qui met ensemble qui tue famille nous. Et ba mande peuple là tout profiter pour nous finir avec classe politique ça, pour nous pas jamais classe politique d'assassin ça dans le pays ça encore. Son classe d'assassin qui pas faire politique à tuer moun. Tout font une révolution drastique. Tout font balayer ouzé. Tout font balayer ouzé, tout font une pierre de coups et trois coups. Nous prenons à sa patte là, nous prenons oligarque là, nous prenons politique là. Wash maman, non seul moment. Cherchant de Michel, nous voulons l'aller. Cherchant Nel Kassi, nous voulons l'aller. Cherchant Majorie Michel, Edmond Siblis Bozil comme nous senti sans honte. Nous voulons l'aller. Pendant tolérance avec volé. Trop moun souffri en dans pays ya. Ndil, trop moun souffri en dans pays ya. Jimmy Cherizier barbecue fait gros déclaration en nous retendant encore une fois ça monsieur dit. Barbecue Jimmy Cherizier dit le pari pour bataille. Et bien, mon capitaine Choul, impérialiste, qui mène les forces étrangères, venir dans le pays pour continuer à voler les ressources, pour continuer à assassiner Petit Dessaline. Même si Petit Dessaline n'a pas été bon Petit Dessaline. Pas Petit Dessaline politicien, pas Petit Dessaline voleur qui a défendu une poste dans l'État. Je dis, nous devons l'histoire. Même Jean, nous devons les Dessaline chef gang, même Jean, nous devons les Dessaline chef bandit. Jodia, il y a appelé nos chefs gang, il y a appelé nos chefs bandits. Mais c'est nous-mêmes qui là pour nous libérer le pays. Jodia, le monde entier a gardé nous. Et nous avons une responsabilité pour nous décrire l'histoire. Pas jamais oublier ça. Depuis où échoué, l'histoire va pas son jour. Mais depuis nous réussi, l'histoire a pris pour reconnaître nous. Pour nous pas être jeunes garçons qui étaient prêts pour nous libérer le pays. Bataille n'a pas été une bataille pour être nous. Nous n'en la guerre n'importe où nous avons, parce que c'est vous-même lié. Mais moi, je viens de la pour que nous mourions dans vous-même. Pas que nous mourions en lâche, nous voulons nous mourir en bon soldat. Et même si c'est notre dit, n'importe où qui ose, puis les quatre côtés de la vivre là, n'importe où qui ose, puis attaquer nous dans les quatre côtés de la vivre là, nous avons crasé les quatre avec ensemble, et même si nous crasé les quatre ensemble, nous continuons à gommer avec nous. Nous n'avons pas besoin ni blanc, nous n'avons pas besoin ni noir. Et pour pas haïtien, au sous-sol là, nous considérons que nous sommes envahisseurs. Nous envahisseurs, nous n'avons jamais des pieds pour nous. Songez à faire ça déjà. Nous venons à un ministère où nous avons nos choléra. Nous venons à un ministère où nous violer les jeunes garçons. Nous venons violer les jeunes femmes. Je dis à nous devant l'histoire.
songez ZAM ça qui l'emmène nous. C'est ZAM, c'est bonne liberté pour nous libérer pays. N'a pété la tête, t'as une équipe lâche. N'a couru, ou bien n'a quitté ça, nous n'a campé pour nous. N'a campé pour nous jusqu'à dernier coup de sang nous. N'a campé pour nous libérer pays ça. Nous devons respecter tout le monde. Nous ne devons pas perdre personne. Nous sommes toujours ouverts pour parler à tout le monde. Mais nous ne devons jamais baisser la tête devant personne. Qui compte nous qui veut parler avec nous, n'a pas parlé avant. Mais s'il vous plaît, avec nous, n'a pas avec nous. Et pour nous dire, n'a pas avec nous, parler pour nous avant. Si on nous dit, on parle avec nous, on parle avant tout. Nous ne pouvons jamais mettre tête à tête devant qui compte nous dire. Songez, qui compte nous parler à nous. Songez, nous, ces petites dessalines. Sous goutte de ça, et pour nous piler le camou. Et en tant que côté de la en tant qu'Haïtien, en tant que monde marginalisé, en tant que monde qui n'a pas de clou pour nous, nous pas de caille pour nous aider. L'État pas créé l'école professionnelle pour nous. L'État pas créé les conditions pour nous vivre dans le monde. Je dis à nous obligés de prendre ça pour nous défendre le pays. Et ça, c'est au sujet, c'est eux qui mettent le quartier populaire. Notre objectif est de toujours déstabiliser le pays. Et ça fait chaque jour, chaque minute, chaque seconde. Nous devons toujours mettre nous sous garde. Nous devons toujours parer nous. Pour la première attaque adversaire à faire sur nous, nous-mêmes pour nous répondre à l'adversaire, attends. Nous sommes répétés nous ça déjà. N'importe qui nous a mouru là. Mais nous devons mourir dans le groupe. Et nous promettons nous chaque ligne qui là, ni l'autre qui supporte nous. Nous-mêmes qui là, nous devons faire un message à passer par l'autre qui supporte nous. Si nous sommes ça, nous sommes le premier monde les attaquer là, qui a campé le groupe, nous sommes le dernier monde qui a quitté le groupe. Et les m'a quitté pour moi, n'importe gens. N'importe gens. Moi ou vif, m'a pris dans la bataille ça. Ça que José, nous devons fier de tête, nous devons fier de ça, nous devons fier que nous sommes haïtiens. Et ça que les bagages nous devons faire à ça, nous devons faire à ça. Chaque jour, on s'est mis, on a réfléchi à ça. Songez-nous pour l'ennemi. Et nous ne devons pas contre l'ennemi en venir, mais nous-mêmes, nous devons toujours parler pour n'importe l'ennemi en venir. Nous devons respecter tout le monde. Mais nous ne devons jamais perdre la vie. Nous. Ok? Et nous allons avancer. Et moi, même, nous allons avancer en pas qu'à danser. Et tout le monde pour ce point. Ok? Vive ensemble si on attaque un petit qui s'en a fait. La page. Vive ensemble si on attaque un petit qui s'en a fait. La page. Vive ensemble si on attaque un petit qui s'en a fait. Alors, moi, je pense que. Naturellement, et Jimmy Chérizé Barbecue a des positions qui claires, et lui-même tout. Bon, il faut grave, comme s'il fait démonstration de force tout, parce que c'est pas le monde qui t'a remis mourir, non? Mais ma petite Barbecue, bon, moi même toujours dit ça à plusieurs reprises. Et il y a pile possibilité. Parce qu'il y a trop de bagandons pour parler. Malheureusement, tout, il y a un partenaire qui est Audemars. Audemars, t'es parlé. Avec lui, il s'est parlé. Pas grand rien que j'aime fait. Et comme si m'a dit, l'on parle à vous mettez dans plus de problèmes. Nèg qui met dans une situation difficile, là, il vient plus de pouvoir. Et Audemars détruit. Nèg yon mange Audemars. Et m'a dit pour Barbecue, m'a koné border. Même pas d'avoir mon mouri. N'a mais tout l'autre nèg kap qui n'avait mon mouri, même pas d'avoir mon mouri. Vous posez pas moi-même. Parce que Barbecue, tout le monde connaît façon Barbecue dans l'Italie là. C'est Pierre Espérance. Et si vous avez un retour, vous n'avez pas pour quitter les gens qui vivent dans une situation difficile. Comme si vous avez mangé, vous avez passé un fil dans Jésus. Comme si vous avez entendu nous. Vous avez entendu nous d'abord. Vous avez entendu nous. Si vous avez mouru, vous avez entendu nous avec les gens qui mettent dans l'état ça d'abord. Parce que vous n'avez pas comme ça. C'est maintenant que vous venez mettre. Et tous les médias dominicains, après les informations, disent que Barbecue dit le pari pour le bataille. Bon. Moi, Barbecue gon focus sur lui, son focus international, que Jimmy Chérizé Barbecue gen sur lui là, son va être chargé. C'est en pile média international qui gagne une fixation sur Jimmy Chérizé Barbecue. Mais j'aime dire non, moi déjà gen information et que gagne opération qu'a planifié sur Jimmy Chérizé Barbecue en bas. L'idée c'est éliminer monsieur. Parce que les oligarques estiment que Barbecue fait du tort, ils ont besoin d'éliminer Barbecue. Ils ont besoin d'éliminer Jimmy Chérizier, alias Barbecue. C'est ça que les oligarques ont besoin de faire. Est-ce que Barbecue a croisé bras
pour monsieur ça a gagné victoire sur lui on pas connaît mais sauf que ça qui est important c'est que et ces préparations ça qu'a fait ta Jimmy Cherizier prépare ou nèg pour le frapper quand même parce que nèg préparé déjà et monsieur que gagne ultimatum qui va lancer pour opération rivé sous en bas Jimmy Cherizier alias barbecue c'est ça qu'a préparé la prorogation pas connait comment ça va le gérer. J'aime toujours dire, canon grave. Si vous n'avez quitté tout messieurs qui baise âme dans le secteur privé, n'est qui dans la politique qui baise âme, pour nous quitter exister, puis nous connaissons nous tous les gens à Sapatio, garantis nous. Haïti, papa, j'aime sortir dans la nouvelle là. N'a pas trouvé tout ces gens à oui, ou de mourir. Mais après, et nèg qui toujours pour du gang, qui ça n'a pas avec nous-mêmes? Je m'a demandé, est-ce que peuple ça lui-même, il n'a pas fait un bagay? Et qui ça m'a posé d'être moi? Est-ce que peuple n'a pas fait un bagay? Est-ce que pendant la police a baillé wach maman, ou pas tout profiter de l'ensemble bagay tout dans le pays eux-mêmes? Peuple souverain. Bah, qu'on est ça n'a pas fait, bah, on qui ça dans tête nous. Et m'pense que, l'illogique pour qu'il n'a pas fait un bagay en de nos pays. Bah, qu'on est. Et gang yo commencé parler pas plus tard que hier l'homme sans jou boulé et un commissariat sous bagarre tête chargée nèg yo a fait des attaques que moun pa ki doit tolérer faut gagne un frein faut gon frein qui mette 7 juillet 2024 l'a fait exactement 36 mois ou bien 30 ou bien 3 ans depuis que nèg ki nan politique, nèg ki nan droits humains, nèg ki nan secteur privé assassiné chef l'état pays noir qui c'est président Jovenel Moïse. Depuis le ça pays en sombre non chaos, Haïti tête en bas, pas grand monde qui capable vivre. Yo humilion président, yo décapite président, yo fait toute qualité zak malhonnête sous président pour pouvoir, pour l'argent. Jodi est-ce que on est capable continuer diriger pays ça ou bien on pense on jamais connaît stabilité la paix en dans pays ça si que ou pas mettre criminel qui touye président yon kote, machine pa frappe yo. Nèk sa pap jam kite yo pose yo question. A veut dire que Haïti pap gedo a gen stabilité. Depuis que stabilité, a oblige gen rend compte. Redisyon de compte. A veut dire que nèk yo pap kite pays sa gen stabilité. Ou d'accord avec moi? Yon combat, ap sil rete combat. Mais j'en toujours dit, pep kap lutte, pep kap bataille, pa jam perdu bataille. Et ça qui est important pour nous. Pep kap goumen. Pep kap bataille. Ou capable perdre yon combat. Mais debout dans la guerre ou pas perdre la guerre. Peuple pas jamais perdre bataille. C'est comme ça que lié. Et c'est comme ça pour que nous continuer arranger nous pour nous envahir monsieur. Arabla a frappé fort dans notre intervention parce que Arabla a demandé pour arrêter Richmond pour lui. Faut entendre ça. Gang yo relé Ronald Richmond. Faut entendre. M'a demandé tout garde côte qui sous la mer. Garde côte. Veillez pour moi très bien. Les messieurs table sauver fouiller toute salle gagné dans mail pour moi c'est pas iPhone 14 arabe là parce que monsieur te kidnappé il volait téléphone moi et ceci il transférer dans Port-au-Prince pour te venir assassiner grâce à Dieu moi encore vivant m'a continuer goumer m'a été cohérent bon côté peuple là veillez pour moi s'il vous plaît pour assassin au bail pour Ronald Richmond pas sauver qui te pays là et puis téléphone moi tant pris volé tant pris assassin déposer téléphone moi iPhone 14 là, déposer l'avant sauvé. Nous même nous dit, nous opposition c'est vrai, mais nous là tout pour nous veiller tout ça qui bon. Nous amène nous décourage pour nous battre bravo pour mini justice là, qui ouais que yon assassin, yon criminel, yon volé téléphone, journée aujourd'hui là que nous ouais, yon révoqué Ronald Richmond, chef gang assassin qui assassiné Tesgari na Okaï. Son bataille qu'elle t'a mené depuis bien quelques jours. Pour Tesgari, qu'elle connaît Richmond, t'es assassiné na Okaï parce que il t'est campé pour te demander fuck Haïti gon changement, il t'est toujours été bon côté population pour porter revendication peuple là. Amen. Ronald Richmond, assassin criminel, il t'est assassiné pour toi garçon ça
te mette de l'eau dans le peuple haïtien en général. Et test gars, il va ta bataille pour Mezimouno, il va ta bataille pour le peuple là. Jodi a, il a assassiné, famille là, il a aux abois, il a des petites, il a des madame, il a des familles qui étaient solidaires avec elle. Mais après Ronald Richemont, fin assassiné, pour tout le garçon ça, qui est-ce qui est victime en bas, mais Ronald Richemont encore, c'est arabe qui kidnappé par Richemont. Dans le sud, Ronald Richemont te kidnappé. Jou qui était 12 février 2024 là. Après elle fin kidnappé, li voye m bay kidnappé par elle dans Port-au-Prince pour assassiner. Je dis à moi bat bravo pour gouvernement konian que nous connaît arabe toujours campé en opposition. Mais si nèg la fait un bagay qui bon, comme gen cran pour me dire font bagay qui bon. Et ceci jodi a m'a demandé à tout garde côte qui sous la mer. Veillez pour moi s'il vous plaît pour assassin au bail pour Ronald Richemont pas sauver qui te pays a. Et puis téléphone moi tant pri volé, tant pri assassin. Déposez téléphone moi iPhone 14 là, déposez là avant sauver parce que me connaît bagala pape douce pour vous. Jodi a nous connaît magistrat Pétionville qui c'est Kesten Omil qui assassiné sept nèg Bessap pour nous. En ben, je dis à Mbak bravo à nouveau DGA qui c'est Normil Rameau, grand frère magistrat Pétionville qui c'est Kesten Normil. Je dis à grand pile nèg. Yo te mette yo nan Itag 10. Un paquet faux Itag qui t'a assassiné plus que 1000 moun nan commune Pétionville la veille 7 février. Je dis à moi la justice qui t'a arrêté 4 là dans yo qui l'a dit justice. Pour net Bessapio, Arab a toujours été cohérent pour demander justice pour net Bessapio. Justice pour peuple haïtien qui a assassiné par gang Ariel Henry, par gang France LB. Je dis à nous connaître en connivence avec des gangs. Acheter munitions pour y dans tout quartier populaire pour craser quartier populaire. Je dis à Kesten Omil. Ma bat bravo pour depuis moi que vous venez, vous mettez sécurité dans le pays. Moi, avant hier, je fais une conférence de presse. Est-ce que me parler de les Kenya au contre moi haïtien pour comprendre toujours y a dit la pide moi arabe dans gang arabe dans voler m'a regarder moi Teriel Telis il parle avec elle direct mais elle dit gang voyez m'vienne parler pour gang. Est-ce que me dit c'est pas tout le monde qui dans ghetto qui gang, c'est pas tout le monde qui dans quartier populaire qui gang. Je dis à nous traiter haïtien, est-ce que haïtien pas qu'à manger pas qu'à vivre, c'est gang nié. Je dis, si on travaille sérieux qu'a fait, n'a fait en amour, parce que tout le monde n'est pas victime. Il y a des gens qui sont dans le quartier populaire, c'est parce que c'est là qu'on a une chambre pour 600 dollars, c'est là qu'on a une chambre pour 1000 dollars, pour 6 mois, pour 1 an. Mais je dis, alors, vini, c'est génocide qui vient fait. Je suis toujours contre génocide. Si je vini, moi, Kenya, c'est Kenya qui vini avec la police, ils ont récupéré tout commissariat, ils ont fait tout territoire perdu, tout route national, nous dans des territoires perdus. Journée jodi a besoin gon blocus Matisse, mes amis. M'ta reme gon blocus Matisse malbe nan l'anbe. M'ta reme gon blocus la nan kwadran bouquet. Lè m'ap fè zone nord. Hein? Arab pa en face personne, mes amis. Tout dit la kwa nou ek ap fèt la la. Nous konnen ki eski dèl. Gen Kesten Omil, chef gang sa. Se li tye set nèg Bessap yo. Nou wè monsieur? Kesten Omil, magistrat Pétionville la. Jodi a sa très di indigné. Lè m gade mwen nèg Bessap yo assassiné. Pas jamais gon enquête kap mené sous dossier nèg Bessap yo. Je dis a pa arrêté 4 nèg Itag. Est-ce que c'est vrai Itag yo ye? Rosemi la petit frère te kon habillé yo, chef gang kwa de bouquet qui c'est Jean Tolbert Alexis te kon habillé yo. Wesh alias Dambonbon te kon habillé yo. Un paquet assassin t'a consolidé pouvoir Ariel Henry te kon habillé en série de gang avec uniforme Itag. Vous faites génocide dans le pays. Je dis à ma demande, qu'est-ce que Normil Rameau? Qu'est-ce que Normil, c'est frère? Même si ce n'est pas ta li même qui t'a assassiné, je ne sais pas si tu as fouillé tout pour le vidéo, pour parler ou pas jeune corps. Je dis à qu'est-ce que Normil doit répondre à la question devant la justice pour dire pour qui ça, li vide, cette nèg Bessap qui pas chien mouri, qui pas chien qui mouri dans la rue, li prend le vidéo dans tout, famille ou pas jeune corps pour y enterrer. Et que quelqu'un nèg Bessap, citoyen, citoyenne, qui là, qui est dans Bessap là toujours, qui derrière Baro, yo pat nan kidnapping, yo pat nan volé, yo pat nan touye moun,
Je dis à pour qui ça au débat. Je dis à nous connaître les Bessapio. Yo goumé, yo fait, yo montrer nous qu'il a goumé pour la patrie. Je dis à Sinka gen canal sur rivière massacre. C'est grâce à les Bessapio. C'est grâce à les Bessapio qui fait gen canal rivière massacre. Je dis à Arab pap karete bouche bé pour le paiement de justice pour les Bessapio. Effectivement, n'a pas continué et goumé pour nos jeunes justice pour agents Bessapio. Parce que crime ça. Ya monsieur. En tout cas, j'en gomme mon pays toujours dit, jou fait la tombe dans de l'eau, c'est pas jamais juste sale pourri. Et engagement, rete engagement, responsabilité, rete responsabilité. N'a pas continué à mener bataille là. Nous commençons à jouer dans pile ici dans la diaspora, qui rele nous, qui dit nous bientôt, yo même, yo perdu kay, yo perdu bien yo, dans le pays d'Haïti, nous dit moun yo ça très bien. Depuis yon moun, ou te gen kay ou n'importe prince là. On groupe nèg ala dans le volel. Relim. Numéro c'est 561 542 95 47. Haïti pas prêté comme ça. Avocat kal volol là. S'il te jwenn nou, li tap tou yo. OK? Moun kachete là. Peut-être li ka pa konnen. Gen tout, yon association malfaite a tout. Si yo jwenn nou, yo tap fizyo. Et beaucoup de ça qui passe, ça veut dire exactement ça veut dire. Le nèg a préparé pour le voler bien, pour le faire toute qualité bagaille, on met dit au préparé. Ça comme tout dit, m'a parlé ensemble avec tout responsable dans la police. Parce que combat ça me pas mener pour côté moi. En pile haïtien qui s'est formé dans mes plateformes YouTube et Fubeto, c'est dans la diaspora qui a vivre. C'est le monde qui passe 20 ans, 30 ans, à travailler dur, à vendre blanc le, pour sembler un petit corps pour construire, pour acheter un petit terre, construire un petit caille dans le pays d'Haïti. Parce que le monde connaît que c'est Haïti qui va passer vieux jour. Exactement, tout Haïtien qui est à l'étranger, yo connaît que c'est dans le pays qui va passer vieux jour. Même Jean la Dominicaine qui vivent là-dedans, tout Dominicain qui travaille à l'étranger, yo travail du pour yo vin construire bel kay dans pays yo. Mais pourquoi j'aime go Dominique qui construit un kay dans pays pour l'aller tourner pour le tendre dire te changer série, il te changer kay, gimon qui t'a acheté kay, gimon qui te voler kay. Me jeune en pile plainte. Me dit moun yo, li clair. Tout moun qui paie la moi, moi même bam prend le bon nom. Me boko gen ni petite là, me boko gen ni madame nan. Ça veut dire me son l'oreille calé. L'onèk volo kay yon haïtien. Redi du pour le construire en Haïti ou volel parce que nous c'est gang dans pays ya. Nous kon moun nan pa ka rentrer, nous volel kay lan. Si nous te jeune moun nou ta fizye le tout. Mais si nous ka volel kay moun nan, moi même jodi a me dit clairement. Et ça cause moi pral gen pour me parler ensemble avec directeur général la police lan, qui c'est normal Rameau que moi m'en pile. Parce que nous ba dans pays ça pour le faire bien, faut ne faire exactement j'en ai yo fait là. Ma parle avec DG la police là pour me dire DG la police là mais ça gagne dans pays hein pour le bon coup de main là-dedans. On a volé kay moun. Kala pas pour où ou décider voler. Sur des jeunes mec kala ta fisiel. Et ben ton écrasé me. Depuis c'est n'cap volé kay moun dans Delma. Volé kay moun Thomasin, m'a dit ça. Joue pas compter tout parce que même gens ou préparé pour tout remettre kala là venir hein. Ton écrasé me gelo ay kala k'ap préparé pour tout pour foutre à terre tout parce que tout le reste est fini. Tout le reste est fini. Parce que moins douleur haïtien a passé aux États-Unis d'Amérique pour travailler dur. Pour sembler l'argent pour se construire en Haïti. L'envol est là, on met préparé. C'est kidnappé, c'est ça mon gars. Et même bral parle avec DG la police là. N'a pas équipe pas nous tout. Parce que faut que l'État accompagne dans la bataille ça. Et m'dil. N'a pas parlé avec tout nègre que m'a toléré même. Dans l'État. Parce que je connais pile l'année ou pas dans le volet, pas dans le volet. Pour que nous résoudions le problème ça. Et me dit clairement, oui, je résous le pour tout le monde. Et je connais. Ça connaît, je connais. Et me toujours dit, rat connaît, chat connaît, barrique ma yarité là. Et je tout dit tout le monde, Thomasin, même Jean nous te ouais. Nous te lancé opération pour nous te chercher. Bandit Timakak qui tap tout le monde, qui tap kidnappé, qui tap violé, crasant les yeux. Même Jean nous te déniché bandit.
Prends tout petit gang yo fout yo bois calé a m'a tout dit ça clair même manchette qui t'est passé dans bouda gang timakak là refile manchette ça pour moi encore parce que me pral besoin pour me relancer opération pour nèg cap saute côté au sorti vinn voler vinn voler tête Thomasin vinn voler Kay Thomasin chaque clair on paraît en l'air a yo vinn voler depuis on monter sous terre seulement yo de tout enterrer là bata ça pas petit mon travail trop dur pour qu'on sorti en Haïti nan de gwen non yo relem beto joum pè se joum allongé pa tolérer nous dans pays ça encore et tout policier solide yo n'a pas venir dans bataille ça et j'espère ça n'a pas gain l'argent pour payer nous pour mener combat ça parce que c'est dans lié et grand bout d'allié et ben n'a fait ensemble avec nous nous pas dans pis côté pour nous prendre tout et nous pour nous prendre gang et ben moi m'a prendre de gwen nous tout yo relem beto en pile monde pote plainte en pile monde relé en téléphone en pile monde a souffri et m'a dit nous mettre poser tempo relax sauf que chaque bien nous gagnons yo volel m'a demandé nous tendez pas l'autre bagage nous ou porter plainte au niveau de la DCPJ parce que Sénégal qui rentre la caillou son tentative kidnapping qu'il fait il pas genou il décide que mes amis n'amène il vole caille là ou porter plainte DCPJ et pour après mettre tout dossier n'a pas dit DCPJ accompagnement et puis nous même n'a plancé population dans boudayou. Merci en pile tout le monde que bon Dieu bénisse chaque gagne nous qui t'attendé et garde mission n'a tourné sous dossier ça. Et m'a dit tout à l'heure, c'est qui est caillou dans Port-au-Prince là. Qui n'a volé tout côté Haïti tout, qui n'a volé, nous m'a préparé. Parce que majorité peuple n'a pas dans volé. Et une minorité qui n'a volé. Et mais minorité ça les mêmes, il a le temps pour le parler. Parce que Abraham dit c'est assez. Je fais la tombe dans de l'eau, c'est pas j'aime juste à le pourri. Bon assassin, ça qui est pour le finir. Qu'est-ce que la peuple haïtien?